Mes chers compatriotes, je n'ai pas inversé la courbe du chômage. Je sais inverser des courbes, je l'ai montré sur ma courbe de popularité notamment. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Ça va tellement mieux que j'ai décidé de partir en vacances en Thaïlande. Là-bas, le chômage est à moins de 1%. En plus, les Thaïlandais sont habitués à la mousson. Et donc, ils ne penseront pas que c'est de ma faute s'il pleut. Je connais bien le dossier de la Thaïlande. J'ai parcouru le site thaïlandie.com pendant des heures et des heures. Et je dois vous dire que j'ai même pensé prendre la nationalité thaïlandaise. Moi, Thaïlandais, plus de loi travail. Et comme on dit, loi El Khomri, loi à moitié dans ton lit. Moi, Thaïlandais, plus de Manuel Valls pour faire tous les 3 mois un 49-3. Et non, ce n'est pas une position sexuelle, comme on pourrait le penser. Quoique, moi, Thaïlandais, plus de photos volées à scooter. J'achèterai un tuk-tuk. Moi, Thaïlandais, mon coiffeur ne me coûtera que 200 bahts par coupe de cheveux. Et même, il pourra parfois me faire des massages des pieds. Moi, Thaïlandais, je mangerai des pad thaï en short avec Juju. Moi, Thaïlandais, je voterai toutes les heures pour faire gagner le site thaïlandie.com. Je vous ai mis le lien dans le commentaire de cette vidéo. J'ai même appris quelques mots de thaïlandais. Et une expression qui me sera bien utile si on m'interroge sur mon bilan catastrophique. Je dirai Mai Pen Rai, Mai Pen Rai, Mai Pen Rai. Vive la République et vive la France.